Je recommence mon blog. J'ai été coupé. On m'a invité en privé. J'ai été invité en privé. Et je crois que c'est une transe. Elle était dans une piscine et elle me disait quelque chose. Je ne comprenais pas un sacré mot de ce qu'elle disait. Puis le gars qui était avec elle, à cheveux longs, m'a dit elle vous invite en privé. J'ai dit oh. Fait que là, j'ai dit naughty girl. But no thanks. Donc, pour revenir au comportement, les gens sont polis, gentils, évitent toute confrontation, quelle qu'elle soit, ne font jamais de scène. Oui, il y a des barrages au volant. Il y en a, j'en ai vu aux nouvelles. Mais c'est quelque chose qui est propre à la ville. En province, c'est inexistant. Ma copine me dit que c'est un comportement inacceptable en province. Que si des gens se comportent de la sorte, sont ignorés, sont mis au banc de la société, on les ignore, on refuse même de les servir dans le commerce parce qu'ils ont un comportement inacceptable. Alors, jusqu'à temps qu'ils quittent, qu'ils déménagent. Complètement subjugué de voir ça à la télé. Il y en a deux, trois fois par semaine. Des cas de rage au volant. On les présente à la télé parce que ici, c'est pas habituel. C'est nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, on en parle plus que chez nous. Et c'est devenu quotidien. C'est devenu banal chez nous. Ici, c'est pas banal. C'est inacceptable. Les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas voir ça à la télé. Mais aux nouvelles, pour que les gens regardent la télé, ils utilisent les mêmes procédés que chez nous. Ce qui provoque, ce qui choque. C'est ça qui est présenté. Malheureusement. Hey, la mouche, ils sont fatigantes. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? De sortir par là, on leur dit que c'est défendu. Les gens en surpoids ne sont pas la norme ici. Si c'est la nourriture ou parce que je suis quand même amené, les McDo il existe. Les PFK aussi. Les Jollibee qui est un autre genre de PFK qui est local, très populaire. Il y a beaucoup de restaurants américains qui se sont installés ici. Des franchises. Pizza Hut ici.
gens très obèses, des gens obèses, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est génétique ou c'est parce que les gens ne mangent pas beaucoup. Je crois que c'est un peu des deux. C'est très surprenant. Coleus. Des coleus. Ah ben. Regardez ça. Pareil comme chez nous, des coleus. Et ça, si je me trompe pas, c'est quoi le nom de ça? Eh boy. C'est pas des dahlias, c'est des... C'est une autre plante originale de Brésil, Portugal. Je me souviens plus de ça. Mais je suis pas sûr. Ça y ressemble, mais je suis pas sûr que ce soit ça. J'ai ramassé des graines que je vais essayer de faire pousser sur la terre. Que je vais acheter pour me faire des haies, avoir des fleurs. Il y en a une, le monsieur m'a dit que ça faisait un arbre comme un parasol. Pour voir si c'est vrai. Ça, je trouve ça beau. Plein de coléus. Je ne voyais pas trouver ça ici. C'est très commun chez nous. Les mouches sont agaçantes. Ça va mettre fin à ce petit vlog. J'en ai fait un autre avant, mais vu que j'ai été dérangé, je sais pas si ça vaut la peine que je le mette en ligne. Je verrai. Oh, un berger malinois. C'est le genre de chien que je veux. C'est exactement le genre de chien que je veux. Maintenant, je vous remercie de me suivre. Si vous aimez ma vidéo, likez-moi, abonnez-vous, partagez-la avec vos amis. Si vous croyez que vous connaissez des gens qui voudraient émigrer ici, prendre leur retraite ici, likez ma vidéo. Abonnez-vous, partagez-la et commentez. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais répondre. Merci les amis. À la prochaine.